scène 1, 2, 3, 4, 5. La première, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez à Saint-Brécy? Question classique. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Écoute, c'est le début de la mise en place du tournage. Et, soir, et donc là, on est très équipés, ça marche. Oh, Marine! Marine! C'est chemise que j'ai encore jamais mise. Tu vas dans le truc neuf, genre moi je m'achète des vêtements pour les tournages, tu vois. Ça, c'est un investissement. Non, mais le vrai investissement, oui, c'est pour ça. On a fait un petit bar de saloon avec des tables, des palettes et des historias. Une petite pile de livres. Et ben, c'est l'effet est plutôt réussi. Avec aussi Cromwell et César. Ah, mais évidemment, on a tout lu avant de le mettre, hein, parce qu'on était large. Je pense que ce bar est fantastique. Dans les bols, je pense qu'on a ta peinture mélangée avec. Tout est là. Ouais. Victor, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle sur ce tournage? Ouais, j'ai fait le son. Ce qui est bruit, son, enregistre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais vous en aviez? C'est pas très sans, hein? Pas du tout. Pas du tout. Bientôt fini, Charles? Comme tu veux. Ouais, choisis, mais faut qu'on soit au moins trois à aller préparer l'autre maison. Parce que l'idée, c'est que ce soit un minimum mis en place quand ça commence. Un petit peu balayé, mettre une table sur les tréteaux et essayer de tendre l'électricité. Ça, et il fallait pas faire les panneaux avec la peinture? Si, ouais, c'est là-bas. C'est là-bas, ouais. Ok, bah il faut juste en plus. Ouais. Le château. Un peu poussiéreux. Plus connu sous le nom du bureau du shérif. Avec le cachot. Beau cachot. Sur la scène du bureau du shérif. Et nous avons donc créé une table à partir d'une porte authentique d'époque du 18e siècle. Nous partons sur la première scène du tournage. Charles, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là précis? Alors, je découvre le storyboard de Xavier. Ah, alors. C'est ça le storyboard. Sur un fond de paysage. Enfin, je pense que c'est paysage, hein, c'est pas. Onirique, c'est... tu dis. Non, générique. Ah, onirique? Ah oui, c'est vrai qu'on dirait onirique. Il se venge en conduisant. Il pleut. Attendez, c'est mon anguille. Oh, action. Non, non, c'est pas toi le cheval. Sérieusement. Okay. Faites comme vous voulez. C'est pas moi qui commence à me tourner. Ton pistolet, il est bon, sur ta bon, coupé. Allez, barman. T'as un produit, c'est toi. C'était la dernière. Ça va, j'ai bu trop de bière. C'est beau. Oh là, c'est beau. Si je vois son manche, j'ai envie. Ouais, c'est ça. Je mets tout mon sens artistique dans cette œuvre. Intelligible. J'ai plein de trucs. J'ai vu, mais alors. Parce que le discours. Ouais, mais faut que je connaisse le truc, je suis pas comme ça. Ah, il y a des saumons. Non, c'est les jambons. Il va tous le fumer comme des saumons. Des jambons. Tu reconnais l'écriture? C'est du courrier sans shérif. Ah, on se poile. Bon. Tant pis. Tu reconnais l'écriture? Je la fais quand même. Des jambons. C'est du courrier sans shérif. C'est toujours pas plus drôle. Fallait pas le refaire. Charles, est-ce que tu peux t'avancer un peu? Non.
C'est aucune bonne volonté ce mec. Ah mais c'est pas très... Ça fait pas très pauvre. Ah oui. Si. Du coup, c'est bouge pas. Je veux te la ranger. Y'a quoi à manger? Des melons? En plus d'avoir la moustache qui sent comme une... Non. En plus d'avoir la moustache qui sent comme une couverture de sel moisie après 300 miles sur une vieille carne. Non, rigole pas, Charles. Pardon. Putain. Je vois le petit sourire du moi, Charles. Tu t'es planté. Il est donc 6h20 du matin pour notre première scène. La patate à la pêche. Nous avons ici Marine Tellier. Comment vous sentez cette opération matinale avec ce lever de soleil absolument sublime? Le nuageux. Ça va être vite fait quoi. Vite fait. Avec moi c'est comme ouais. Ça. J'ai amené mon martinet, mon fouet. Ouais, d'accord. Moteur. Tu te lapes pas? Moteur. Betty, N6, presse 4, première. Oh, je te... Moteur. 7h20, il reste deux scènes à tourner. Vous allez dormir? Et non. Vous avez encore une scène en fait. Dommage. Nous voyons Charles qui plie le matelas utilisé pour toutes les morts. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. J'ai l'impression que le matelas, il a rencontré Gaspard la limace. Là. Charles est devenu une tortue. Il porte son lit sur lui. Ouais, et Hélène aussi, mais elle dort sur un carton. Déjà, vous il est à 8h37. Nous nous préparons pour la dernière scène du tournage. Déjà. Avec une belle mort. On fera les arrivées après. Et maintenant le plan final. Ah ça il voulait la faire cette prise comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Filme ce qu'il y a derrière, regarde. Non, j'y crois pas. Non, s'il te plaît. Ah oui, merci.